Bonjour, dans ce tuto, je vais vous montrer comment faire un lien vers une encre sur une page créée avec Brizzy. Donc, pour que ça soit plus clair pour vous, l'objectif de ce tuto, c'est de faire des liens comme ces deux-là. Vous voyez, si je clique dessus, ça renvoie vers une autre section, de la même page. Puisque si je remonte, on arrive bien là où on était. Voilà, là, ça arrive à la section qui est en dessous, et donc je vais vous montrer comment faire en sorte d'arriver ici en cliquant sur un lien que je vais mettre ici sur Visual Builder, puisque c'est ce qui correspond, voilà, utilisation du Visual Builder. Donc pour ce faire, on va dans la page au niveau du Visual Builder du constructeur de page Brizzy. Et donc là où on veut mettre le lien, comme d'habitude, on clique sur l'élément qu'on cherche à modifier. Ensuite, on sélectionne le texte sur lequel on va mettre le lien. Vous cliquez ici sur l'icône de lien. Et là, il vous propose donc soit une encre, soit une URL. Et nous, en fait, ça concerne bien une encre. Donc vous cliquez sur Ensure. Et ensuite, vous choisissez parmi les sections qui sont mises à votre disposition. Donc moi je sais que c'est la dernière, donc je clique dessus, je clique sur enregistrer, enfin être à niveau exactement, je renouvelle ma page, voilà, on va remonter, et vous voyez que on a le lien ici qui n'était pas avant. Si je clique dessus, on arrive bien à la section utilisation du Visual Builder. Donc là, vous inquiétez pas si on voit un peu du contenu de la section du dessus, c'est tout simplement parce que la section ne prend pas toute la hauteur de la page. Sinon, voilà, si on prend cette section-là, d'exemple, voilà, vous voyez, on arrive bien précisément au tout début de la section concernée. J'en ai maintenant terminé avec ce tuto, donc je vous invite à le liker sur YouTube, à le partager sur les réseaux sociaux. Et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ciao, ciao!